Bon les amis. Il n'y a pas trop de monde, ça va. Après, non, y a... c'est bien, merci d'être venu en tout cas. Ah non, mais c'est normal, elle dit. Bah alors, après, il n'y a rien de spécial, hein. Ils cherchent juste à savoir qui c'est, qui serait l'organisateur de cette manifestation du 14 juillet. J'ai dit que c'était les citoyens qui ont lancé cet appel. C'est le rassemblement du matin et le rassemblement de l'après-midi, non, il n'y a rien de particulier. Après, il me demandait qui c'était qui avait organisé le 17 juillet, je dis que je ne savais pas. Il n'a pas dit que c'était Macron, le dommage. Si, je leur ai dit, ouais. Je leur ai dit que c'était Emmanuel Macron qui était organisateur, il me dit « ouais, mais je ne peux pas le convoquer ». Donc, qu'à vous. Voilà, c'est ça. Il a vous aussi Macron. Il peut pas, il n'a pas le pouvoir d'aller lui demander. Voilà. Et là, il me demandait aussi par rapport à... Il y avait une banderole hier sur la préfecture pour un appel au 24 juillet à la place de l'horloge à 14h, je crois. Et je dis, je suis au courant de rien du tout. Moi, je relais, j'ai vu passer l'information. Et voilà, hein, c'est tout ce qui est à dire. Voilà, bon, ils m'ont demandé. Mais voilà, moi je leur ai juste dit que je relayais les informations. Pourquoi il ne faut pas te faire une manifestation le 24 hein? Bah après, il n'y a pas d'interdiction. Ils me demandaient si elle allait être déclarée. Je dis que je ne savais pas moi. Je ne sais rien du tout. Hein. C'est, c'est les citoyens qui sont en train de se lever au niveau national. C'est pas que Avignon. Il y a eu plus de 200 manifestations. Donc. Je crois que c'était 240 manifestations. 64 000 qui sont concernées par des manifs pour samedi. Rigolant. Voilà. Donc, il y a un appel à aller manifester tous les jours. Il y a un appel à aller voir les députés de La République En Marche, justement, pour pas qu'ils parce que là, ils vont débattre. Parce que je crois qu'ils débattent aujourd'hui et demain pour le pass vaccinal. Donc, oui, bien sûr qu'il faut aller leur dire de ne pas voter pour ce pass vaccinal, quoi, nos députés, tous les députés qu'il y a. Donc ce qui veut dire que tout ce qui va se passer dans les semaines à venir, pratiquement, on voudrait que tu sois responsable de tout. Ben moi je leur ai expliqué que toutes les manifestations qu'il y a eu dernièrement, on les a déclarées ces manifestations. Donc voilà, si j'avais su qu'il y avait ça, qu'il y avait ces rassemblements, je les aurais déclarés, pourquoi pas. Non, c'est pour me mettre un peu la pression. Parce qu'a priori, ils n'ont pas trop apprécié qu'on débarque le 14 juillet aux allées de Loul, où il y avait un rassemblement avec la mairesse, avec le sénateur, avec le préfet. Ils étaient combien ? Une quarantaine ? Une quarantaine de. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que tu gênes ? Après. Moi, je suis un citoyen comme les autres. Hein. Ce qui me reproche, c'est souvent d'être avec mon micro et mon enceinte. Après, je donne la parole à tout le monde. Donc, du coup, non, je crois que c'est plutôt l'enceinte et le micro qui doit gêner. Oui, mais ça, pour le 14 juillet, tu n'avais pas l'enceinte et le micro. Le matin, non. L'après-midi, il y a des citoyens qui ont demandé si quelqu'un avait un micro. J'ai dit oui, moi j'ai un micro et je l'ai mis à disposition. Et de toute façon, c'est même pas à moi. Cette enceinte appartient aux Gilets jaunes de Carpentras. Elle est à tout le monde. C'est-à-dire n'importe qui la demanderait des Gilets jaunes, il a le droit de la récupérer pour s'en servir pour un rassemblement. Alors, il était soupçonné d'avoir commis l'infraction de non-déclaration d'une manifestation, celle du 14 juillet à 10h30 et celle de 16h. Et qu'avez-vous plaidé ? Alors, on ne plaide pas à ce stade-là, on formule des observations. J'ai simplement fait observer que c'était manifestement des pressions indirectes sur la personne de M. Roland Gontard, parce que le simple fait de relayer une information, là notamment des rassemblements qui ont été en plus nationaux, et d'avoir passé à un moment donné un micro à une députée ou même à une autre personne, un autre citoyen pour pouvoir s'exprimer sur la commune d'Avignon, ne peut pas constituer l'élément matériel qui permet constituer une infraction, puisque je rappelle qu'il faut un élément légal, matériel et moral. Or là, aucune intention, aucune matérialité de la part de M. Roland Gontard.
Voilà, lui en plus, il a toujours déclaré ses manifestations. Donc aujourd'hui, je pense que c'est simplement une tentative de pression de la part du parquet pour dire faites attention, parce que si vous êtes dans les manifestations, eh ben, vous risqueriez d'être convoqué encore et encore. Alors est-ce qu'il y aura une suite par rapport au procureur de la République, ou aujourd'hui on peut dire que c'est classé sans suite? Alors on ne sait pas encore, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une audition, le procès-verbal est dressé et signé par les parties, et ensuite tout cela remonte au procureur de la République qui décide des suites de ce dossier. Merci Maître. Je vous en prie.